mesdames et messieurs. Bonjour, David. Donc, chers amis, dans vos grades et titres respectifs, bienvenue au centre d'entraînement de commando pour notre traditionnelle ligne de nouvelles. J'en profite également pour remercier chaleureusement les représentants de la Ligue SLA, et plus particulièrement la représentante du président de la Ligue SLA, Evie Rivière, pour sa présence. Je vous remercie. Hartelijk bedankt pour votre attention. Merci pour votre attention. Donc vous avez vu, 2018 a été chargé, 2019 le sera également. Donc, j'ai voulu mettre à l'honneur tout à l'heure le général Goukoy. Je tiens également à accueillir aujourd'hui le bourgmestre de la ville de Namur, notre ville de garnison, qui, malgré un programme très chargé, a quand même réussi à trouver quelques minutes pour nous rejoindre. Le bourgmestre Maxime Prévost, vous connaissez tous. Maxime, sois le bienvenu et accepte ce petit présent qui, j'espère, sera plongé dans notre formation et que tout sera à revenir. Alors, cher invité, l'année dernière, j'avais mis à l'honneur un artiste, un réserviste au sein des unités paracommando, Stéphane Stienlet, et ses fameux cartoons sur les paracommando. Cette année-ci, j'ai voulu, suite à une discussion avec un collègue et ami, Philippe Kwan, où es-tu ? Oui, Philippe. Vous présenter une maladie peu connue et soutenir un projet. Philippe, que nombreux d'entre vous ont connu, connaissent, comme ancien paracommando au sein du 2 commando ou au sein du CE commando, est depuis 2 ans déjà atteint de la maladie de Charcot, plus scientifiquement appelée la sclérose latérale amyotrophique, SLA. Cette maladie peu connue chez nous touche pourtant à peu près 1000 personnes en Belgique. Et chaque année, plus de 200 nouveaux cas se présentent. La maladie de Charcot est une maladie neurologique. Elle atteint progressivement les neurones et entraîne une faiblesse musculaire, puis une paralysie. L'espérance de vie reste très courte, moyenne de 3 ans. Si vous souffrez de la maladie de Charcot, vous savez que vous êtes atteint d'une maladie grave et incurable. La maladie de Philippe se situe actuellement surtout dans les mains, la force musculaire des bras et une fatigue générale après un effort physique. À son niveau, malgré tout, il veut et il participe à la recherche médicale dans ce domaine. En 2018, les médias du monde entier ont annoncé le décès de Stephen Hawking, astrophysicien de renommée internationale, atteint de cette même maladie, mais qui lui avait eu la chance que ce soit la maladie lente et donc d'avoir une durée de vie nettement plus longue. Et vous vous souvenez, vous l'avez certainement vu devant son ordinateur, en train d'essayer de taper malgré tout, de communiquer. En Belgique, la Ligue SLA est surtout connue en Flandre, via la KUL Leuven et l'équipe neurologique spécialisée du professeur Van Damme. Philippe et son épouse Christina, que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est bien là, assise là dans le coin, levant les bras, très dynamique également. Ils ont décidé de soutenir la Ligue SLA, en essayant entre autres de la faire connaître en Wallonie. Et cela auprès de nos autorités, tant locales, le bourgmestre, qu'au niveau provincial et au niveau de la région. Donc ici, ce sont les premiers pas. Donc je vous engage évidemment à découvrir cette maladie en visitant le stand SLA qui se trouve ici derrière. Chers invités, à vous tous qui directement et indirectement soutenez notre unité, je crois qu'il est temps maintenant de mettre fin à ce petit mot et de débuter réellement le drink. Dans tous les cas, bonne année et meilleurs vœux à tous. Beste Wensen. Que lui quelqu'un dit. Merci. Merci.
Thank you.